Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous ce petit Lenormand que je viens de recevoir et sur lequel j'ai craqué. Alors, c'est un petit Lenormand auto-publié qui s'appelle donc le Sophia Rito Lenormand que vous pouvez trouver sur Etsy. Il arrive donc bien emballé, avec ce pochon qui est très très joli, tout doux, très agréable, et puis un marque-page. Alors, je vais le découvrir avec vous. Je voulais partager ce moment. Il arrive donc dans cette petite boîte de très bonne qualité, voilà, épaisse. Et puis les cartes, donc voici le dos. Très joli dos. Les cartes sont d'excellente qualité, hein. Elles sont plutôt épaisses et voilà, elles tiennent bien. Les tranches sont dorées. Alors elles sont dans l'ordre, donc je ne vais pas le mélanger, mais vous voyez qu'elles glissent très bien. Donc c'est un jeu très coloré et nous allons découvrir les illustrations. Il n'y a pas de petit livret, donc ça suppose de connaître si... Voilà, ma caméra fonctionne. Donc ça suppose de connaître le petit Lenormand. Bon, il y a énormément de livres. Et on découvre ensemble donc ces magnifiques illustrations. Donc, il a un côté très poétique, beaucoup de douceur. J'aime bien ces petits rubans aussi. Ouais, il est beau. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment inspirantes. Très agréable. Oh, ce cœur. Il est chou. L'anneau. Il a un côté un peu enfantin aussi. Hop. Et la croix qui est très très jolie. Voilà pour ces cartes. On va tirer une carte. Alors, il y a celle-ci, les souris. Mais alors, un avertissement pour nous dire d'arrêter de stresser, de rester zen. Bah, bravo. Et on va en prendre une troisième. Allez. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire, ces cartes? D'être, bah déjà, de, oui, de voir en face, si on est dans une phase de stress, de trouver un moyen de s'apaiser. Avec le serpent, moi, je le vois, enfin, le serpent, je l'interprète souvent comme... Ben,
pour annoncer justement une transformation. Voilà. Donc, peut-être que les cartes ici vous invitent, nous invitent, hein, moi y compris, à trouver donc cette paix intérieure pour pouvoir évoluer, changer, transformer les choses et de le faire de façon en étant vraiment en adéquation avec nos désirs, avec sincérité. Et également de rester calme, hein, avec le lys, d'avoir cette maturité au niveau de la réflexion. Et je dirais que les cartes nous invitent à prendre soin de nous, tout simplement. Donc, un beau message, et puis ces cartes qui sont vraiment splendides. J'aime vraiment beaucoup ce petit Lenormand. Vous me direz de votre côté ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour des consultations, vous pouvez également me contacter. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.